السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد جايتي في فيديو رقم 3 حول لي تيب دو دوني. هاد المرة غادي نشوفو لي تيب دو دوني ديت. الوغ شفنا سابقا لي تيب دوني سترينغ، مانتونو غنشوفو لي فونكسيوناليتي على ديت. الوغ باردون، كومون جو بو ديكلاري واحد الفاريابل دو تيب ديت. دونك ديت كيف كنعرفوه ده ان اوبجي، دونك كنكري ديما لي زوبجي كيتكريو افيك لي كيورد نيو. Donc par exemple, j'ai créé variable une date. Je vais afficher la variable la console. Donc la variable va être the current time. Donc on va donner le temps en détail. Donc par exemple, une date. ولكن ما غاديش تافيشي ليا، خصني نطبق لها واحد la fonction toString باش نافيشي la date d'y aller spécifique. Voilà. Donc, attendez. Friday, février, ainsi de suite. Donc, super. Alors, maintenant, je vais déclarer, par exemple, une autre variable. Date 1. Alors, on a la conversion de la date d'y aller tout. Alors, on reprend. Adna date 1 to time string. Alors, la date d'Ali va être convertie en time string. Alors, donc c'est la conversion en time string. Ici, elle dit soit GMT, soit UTC. Donc, c'est la même chose. Yani, hido elle dit. Et si c'est local, date, yani la date de mon système. Système. Ok, super. On va voir les résultats affichés. Voilà. Donc, c'est l'heure, les lundis. Et la date. Voilà. Comme vous voyez, l'écran du browser. Donc, tout simplement. Les dates sont faciles à manipuler. Maintenant, on va utiliser les getters. Donc, par exemple, je peux déclarer var hier, new date point get full year. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner la date complète. Donc, on dit console.log. On va dire hier d'y. Donc, voilà. Spécial. Super. Donc, c'est la date d'y. Alors, maintenant, on dit je fous. Char, month. Donc, c'est new date. Toujours new date. On peut utiliser les accolades ou on peut utiliser à part. Point get month. Super. C'est la même chose. Console. Log month, ça va donner quoi? Ça va donner le mois. Voilà, c'est le mois. C'est quel mois? C'est le mois 1. C'est pas mois 1. Donc il y a une erreur, je pense. Donc j'ai déclaré new date get month parce que le mois c'est mois 2. C'est pas où il y a le problème. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant, mais les mois où je sais pas comment le système interagit avec ce type. Alors, on passe maintenant à les dates. Il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Le système, il y a un problème au niveau de browser ou je sais pas. Donc, date.
new date get date get day. Donc console, je sais pas pourquoi pana le mois 1. Bien, je vous maintenant. Donc c'est 5. Quel non, c'est pas donc il y a un problème au niveau du browser. Mais c'est مشكل. Alors, qu'il y a بزاف ديال les méthodes, par exemple, qu'il y a get hour hours. Qu'il y a get minute minutes. Ok, na get second seconds. Voilà, hado نقدروا نستعملوهم الى بغينا نكريو شي كاونتر ainsi de suite. Donc jusqu'à maintenant شفنا لي تيب دو دوني دو ديت و نقدروا مانيبيليو دوطخ شوز. نشوف لو طون. Donc jusqu'à maintenant 6. Maintenant, je vois واحد la partie date difference calculation. Donc, je peux déclarer par exemple ou là, نستعملو غير les dates لعندنا. Donc, حيدو هادو. نستعمل par exemple var date to égal à new date. Alors, maintenant, هاد new date هادي نعطيها la date 1.value of par exemple 5000. Super. Avec 5000 c'est type stamp. Donc var date diff, donc c'est la différence entre les dates. Donc par exemple date 1.value of la date 2.value of. Donc var, je peux déclarer une autre variable, il s'appelle differences, c'est oui date diff, par exemple comme ceci, vingt-quatre. Donc, c'est un nom. Donc, c'est, je convertis la date en millisecondes into years. Donc, console.log, j'affiche la date. Je peux mettre, par exemple, date difference in years. Years. Voilà, donc date la date difference. Voilà, voilà la date en différence. Il y a une différence entre les dates. Super, donc on a terminé maintenant le chapitre de type de données avec string et avec date, et par la suite on trouve d'autres chapitres. Alors jusqu'à maintenant j'espère que vous avez compris cette partie, et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.